Bon, maintenant, voyons un match en pleine intensité contre des joueurs contre Keshia, Gio puis FNGV. Mais ça sera plus Gio puis Keshia qui donnent souvent le ton au match. Mais le plus bizarre dans tout ça, quand j'avais joué Drake au feu avec eux autres dans l'un des matchs qu'on a joué ensemble. Ok, je menais par deux. Je venais de mourir. Puis là, Gendos s'est fait éjecter par Gio. Puis ensuite, ben là, dans le vide, ok, moi j'ai voulu faire un chemin, je m'étais out pour l'avoir, puis il m'a attrapé. Ok, puis le truc le plus bizarre là, qu'il n'y a pas eu, ok, là, c'est que je me demande comment je me suis retrouvé avec un moins 2 après. Au lieu d'un, un AD de moins 2. Puis le pire, c'est que lui, il m'a touché, mais il a quand même eu moins 1, puis le plus 1 est allé à Gio. Assez fucky de même, je sais pas d'où vient ce bug-là, là, mais je méritais pas d'avoir un foutu moins 2. Tu sais, moi, je comprends pas la logique du jeu. Si un des membres de Nintendo peut se prononcer là-dessus, j'aimerais juste comprendre, ok, pourquoi on obtient un AD de moins 2, ok, quand là tu es touché par un joueur dans le vide, alors que toi, t'as même pas réussi à frapper personne. Mais t'as quand même un moins 2 au lieu de moins 1. Puis que l'autre joueur, il a même pas eu son point. Il a même pas eu plus 1. C'était un autre qui a eu le point à la place. Parce qu'en plus, il m'a même pas touché. Il y a personne qui m'a touché rien. Il y a juste lui qui m'a attrapé avec son B neutre. Puis ça a quand même fait moins 1 pour lui, moins 2 pour moi, plus 1 pour Gio. C'est ça qui est assez fucké ben raide, là, je vous le dis, là. Je vous dis, mais moi, il me semble, dans ma logique à moi, ok, ça devrait être comme si genre, t'es responsable de ta propre cible, tu devrais avoir un AD de moins 2. Sauf que si c'est pas toi qui es responsable de ta propre chute, tu devrais avoir moins 1 ou moins 2. C'est pas logique, là. Dommage que j'ai pas enregistré cette vidéo-là que j'aurais voulu montrer. Mais par contre, j'en ai un en équipe, ok, c'est vraiment bizarre, ok? C'est vraiment bizarre. Parce que j'ai jamais caché pourquoi, ok. Ok, genre j'ai fait une petite gaffe niaiseuse après avoir mis KO quelqu'un avec un smash météor. Je me suis retrouvé à moins 1, puis mon coéquipier à moins 2. Puis il était dans l'arène, moins 2. C'est assez fuckant pareil, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient cette bizarrerie là. Pourquoi moins 2 à lui, moins 1 à moi, on est perdu à cause de ça. Car je pense que ça serait peut-être que le mieux, ça serait de vous le montrer. Puis dans ce combat-là, ben là, j'ai quand même eu de la chance. Ben, comme vous avez pu voir à la fin, Seigneur, même si je me protégeais, au moins je continuais à frapper. Je restais pas là à rien foutre, ou bien à essayer d'esquiver les attaques, là. À essayer de faire des roulades là, de gauche à droite. Comme plusieurs le font, comme Will l'a déjà fait contre moi quand je jouais contre lui en équipe. Crème, moi j'étais à 140%, il restait 15 secondes, lui il s'accrochait sur la paroi pendant 15 secondes de temps. Pour essayer de m'éviter, puis il était juste à peine 100%, il aurait pu essayer de me mettre KO pour gagner au lieu de se rendre en mort subite juste pour me... Ok, bon vous savez ce que je voulais dire par rapport à ça. Moi, je trouve ça juste typiquement lâche. Les gens qui font preuve de lâcher de même, là, c'est pas pardonnable. Pour moi. Je vous disais pas ça en mal, mais pour moi, c'est... Pour moi... Disons que je déteste... C'est pas que... Ben oui, c'est sûr que je déteste ça, mais... J'aime pas ça, des gens qui se défilent comme ça, en fin de partie. Tu sais, quand dans les matchs aussi serrés, ok? Qu'on essaie au moins de gagner sans 5 ans de mort subite, au moins qu'on essaye. Mais si on sera en mort subite, au moins, il sera combattu jusqu'à la fin du match. Mais non, tu sais, 15 dernières secondes, 140%, lui, t'as 109.
Attendez, là, je regarde où est-ce qu'il y a le match, là. Ah, oui, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. J'avais trouvé que c'était quand même plutôt bizarre. Assez bizarre, merci. Pourtant, pour moi, ça a bien parti. C'était au moment où que j'ai voulu faire un move de trop, puis des fois, quand t'es pas mal focus, puis qu'à un moment donné, tu vas en faire trop, ben, il arrive parfois qu'il te fasse des gaffes. Mais vous allez voir, on va avoir moins 3. Moins 3. J'ai trouvé ça assez fucké comme boy, merci, là. Parce que moi, c'est une question là, que je me pose. Pourquoi qu'on obtient moins 3? C'est ça que je comprends pas. Pourtant, on m'a frappé auparavant, avant le KO. Là. Pourquoi qu'il n'obtiendra pas plus 1 l'équipe? Je comprends pas. Là. Regardez, moins 1, moins 2. Je trouve pas ça assez bizarre. Que le fait, c'est même pas lui qui est responsable. C'est même pas lui qui est responsable de mon suicide, là. C'est pas lui. Pourquoi il devrait obtenir moins 2? Si on pouvait juste me répondre par un commentaire par rapport à ça, ça serait bien apprécié. J'avoue, je ne comprends pas. Mais ça, quelqu'un devrait avoir un plus 1, puis moi, moins 1. Parce que c'est ça, moi, je comprends pas, tu sais. Regarde, c'est lui qui mérite un moins 2. C'est rien, il a rien fait. Il a rien fait. Il méritait pas le moins 2. Pourquoi ça serait lui qui aurait le moins 2? En fait, c'est tout de même étrange. Regardez, c'est même pas lui qui a chuté. Regardez, c'est lui qui a moins 2. Regardez, vous voyez bien? Un AD de moins 2. Et c'est pas lui qui est responsable de ça. Là. C'est moi là, qui a fait une gaffe. Qui a chuté là, dans le vide de même. Pourquoi ça serait pas moi? T'sais, au lieu de ça, j'ai eu moins 1, mais lui, il a eu moins 2. Moi, je comprends pas, là. Moi, je comprends pas, là. Ils m'ont sûrement frappé avant que je les tue.